Hello! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite astuce dans la map Zetsubou no Shima. Je vais vous montrer comment faire du zombie transformé, ce fameux zombie arbre, votre allié. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc il va falloir réaliser le crâne de Nansapwe. Il y a bien évidemment le tuto qui est déjà disponible sur la chaîne. Et il va falloir réaliser la 4T4 en version améliorée, autrement dit la Masamune. Et vous avez là encore le tuto déjà disponible sur la chaîne. Donc une fois que vous avez ces deux éléments, vous allez vous rendre dans cette partie de la map. Il y a un mur que vous allez devoir faire éclater à l'aide de la version hypnotisante du crâne de Nansapwe. Une fois ceci réalisé, des racines vont apparaître et derrière un spore que vous n'allez pas détruire dans un premier temps puisqu'il vous sera utile pour la suite du tuto. Donc pour enlever ces racines, c'est très très simple, vous allez effectuer un tir chargé de Masamune, donc la 4T4 améliorée, sur ces racines jusqu'à les faire exploser, libérant ainsi le spore à la vue de tous. Et enfin, dernière étape, il va falloir ramener un petit groupe de zombies devant ce spore et tirer sur le spore au même moment afin que les fumées dégagées par le spore contaminent au moins l'un des zombies et que ceux-ci puissent se transformer. Il va donc se transformer en une version amicale du zombie et sera de votre côté. Alors attention, petite particularité, il détruit vraiment tout sur son passage, donc si vous souhaitez faire une pause en pleine manche, ça va être un petit peu compliqué. Et autre chose, il va durer pendant plusieurs manches, je crois qu'on l'a gardé pendant 3 manches complètes, et c'est totalement impossible de l'éliminer. Il va donc falloir attendre qu'il parte de lui-même ou qu'il se fasse éliminer par les autres ennemis sur la map avant de pouvoir reprendre tranquillement votre run. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces. Ciao !